Bienvenue à tous dans ce journal. En séjour à Bounia, dans la province de l'Ituri, le représentant adjoint de la MONUSCO chargé des opérations et de la protection a recueilli les avis des autorités de la place, mais aussi des forces vives dans le cadre de la protection des civils et des opérations de la MONUSCO dans cette région en proie des groupes armés. Kassim Diagne a été également reçu par le gouverneur de province, Jean Bamanissa. C'est un État souverain, membre des Nations Unies. Et nous sommes ici donc à l'invitation du gouvernement congolais, mais aussi à l'invitation des populations pour venir leur servir, leur apporter soutien, surtout dans ces moments assez difficiles que vit la province. Je suis dans une mission d'écoute et de recueil d'avis et d'orientation des autorités provinciales, donc le gouverneur en premier. Alors ce que traverse l'Ituri, évidemment, quelque chose qui nous peine, c'est des défis non seulement humanitaires, mais des défis de violence qui nous peinent. On prend ça très au sérieux et le gouverneur nous a donc tressé un tableau assez complet de la situation dans la province. C'est des défis énormes. Vous savez, ce ne sera pas du jour au lendemain qu'on va pouvoir les régler. Et je crois que je suis naturellement optimiste et je garde l'espoir qu'on va pouvoir relever ces défis.